Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de partager des livres qui m'ont aidé à me construire et à façonner celle que je suis maintenant. Tout d'abord, moi, je suis une personne qui adore partager. Quand j'aime un truc, vous pouvez être sûr que toutes les personnes autour de moi sont au courant. Quand je découvre un truc trop bien, quand je lis un truc trop bien, quand il y a un film que j'adore, qui m'a trop marqué, j'ai envie que les gens autour de moi vivent, ressentent, expérimentent la même chose que moi. C'est comme si je trouvais un trésor et que j'avais envie de donner la possibilité aux autres de trouver ce trésor aussi. Par exemple, le jeûne de Daniel. Quand j'ai vu les bienfaits, j'en ai parlé à tout le monde, à toute ma famille, mes amis, mes proches. J'ai saoulé le monde avec ça. J'en ai même fait une vidéo d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. J'avais envie de commencer cette liste par le livre qui m'a radicalement changé et qui a changé ma vie et qui m'a transformé et qui continue encore de me transformer et que je continue de relire, de lire et de relire. Et bien sûr, sans surprise, c'est la Bible. Alors oui, la Bible et particulièrement les évangiles. Et l'évangile, c'est là où on raconte l'histoire de Jésus et de ce qu'il a fait. Et à l'époque, quand je l'ai lu la première fois, parce que oui, comme je viens d'une famille chrétienne, j'en ai entendu parler, je connais plus ou moins l'histoire, sans trop les détails. Et en fait, quand j'ai lu justement, il y avait tous les détails, il y avait plein de trucs qu'on m'avait jamais dit. J'ai découvert vraiment qui était Jésus. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, le manga Le Messie, donc c'était l'histoire de Jésus en façon manga. Ça m'avait grave touchée parce que c'était comme redécouvrir l'histoire de Jésus, mais d'une façon différente, puisque c'était en manga, c'était en dessin. Dans la Bible, il y a aussi les proverbes qui sont mais une source inépuisable de sagesse. Alors pour continuer avec les livres qui m'ont aidé à grandir dans ma foi, il y a le livre qui transforme les nations par Lauren Cunningham et Janice Rogers. C'est un livre qui va parler de l'importance, de l'impact que peut avoir la Bible dans les pays, dans les nations et dans la vie de quelqu'un, quoi. Ce que moi j'ai trop aimé, ce qui m'a trop touchée, c'est la partie 2. Et dedans, on a des exemples de plusieurs histoires, de plusieurs témoignages de personnes qui ont utilisé la Bible pour changer des pays. Ou même l'histoire d'un pays, comment est-ce qu'il a été transformé par la Bible. Et c'est ça que j'adore, c'est parce que ça montre vraiment une vision globale même du monde, et ça donne un peu l'héritage qu'on peut avoir aujourd'hui en tant que chrétien, et qu'on n'a pas forcément quand on reste que dans notre pays, que dans notre église, etc. Moi, ça m'a grave ouvert l'esprit. Ensuite, un livre que je n'ai pas, c'est un livre d'Elizabeth Elliot, Passion et pureté. En fait, ça va être son témoignage de sa vie sentimentale. Et ça va nous donner un peu le point de vue d'une personne qui est chrétienne, qui a la foi chrétienne. Comment est-ce qu'elle vit sa vie sentimentale? Et moi, ça m'a grave aidée. Avec tous ces films d'amour, la société qui nous parle d'amour, enfin bref, ma vision était à peu près erronée. Et même aussi dans l'église, on a une certaine vision qui est assez limitée, je trouve, des fois. Et du coup, ben, j'étais un peu perdue. Donc ce livre m'a permis de remettre des idées en place. Certains peuvent dire qu'il est un peu vieux jeu, mais moi, ça m'a grave aidée. Et ça m'a grave aidée à me construire dans ma relation amoureuse, en tout cas. Donc, un livre qui m'a aidée cette fois-ci dans ma vie en tant que missionnaire, c'est Seul l'amour fait des miracles de Mahesh Chadha. C'est un livre témoignage, hein. C'est un ancien hindou qui est devenu chrétien. Je me souviens pas forcément de tout le livre, mais je me souviens qu'il y a un passage qui m'a grave parlé, qui m'a grave marqué, et c'est d'ailleurs celui que je vais vous lire. Il fait une école, et dans cette école, il fait un petit séjour dans un hôpital pour enfants, pour prendre du temps avec les enfants et prier pour eux. Le Seigneur me donne un amour débordant pour ses enfants. C'est difficile à expliquer. Comme si le Seigneur a cassé un petit bout de son cœur et l'a placé en moi. J'ai la certitude que Dieu les aime aussi et qu'il veut canaliser cet amour à travers moi. Je ne sais pas très bien que faire avec eux, ni même comment prier pour eux. Pour l'instant, j'apprends que la puissance de Dieu est à rechercher dans son amour. Lorsque le Seigneur m'a envoyé à l'école, il ne m'a pas dit « Je t'envoie en tant qu'ambassadeur de puissance ou de miracle ». Non, il a dit « Je t'envoie en tant que mon ambassadeur d'amour ». J'ai appris que seul l'amour faisait des miracles. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, c'est Jazz à l'âme de Donald Miller. C'est un livre témoignage d'un homme qui raconte son cheminement spirituel. Et j'adore parce que justement, on peut avoir tellement de préjugés par rapport aux chrétiens et par rapport à comment est-ce qu'on pourrait vivre sa foi. Je le trouve tellement vrai dans ce qu'il dit. Quand il va douter de la foi, quand il va douter des chrétiens, il va le dire. Et ça, je trouvais ça incroyable parce que je me suis beaucoup reconnue en lui. Donc j'ai sélectionné quelques passages qui m'ont trop parlé. Le problème de la foi chrétienne, c'est qu'elle n'est pas du tout à la mode. J'ai eu une fois le sentiment que si je pouvais rendre le christianisme cool, je pourrais changer le monde parce que si le christianisme était cool, tout le monde serait prêt à s'occuper de sa nature pécheresse. Et si tout le monde était prêt à s'occuper de sa nature pécheresse, alors la plupart des problèmes du monde seraient résolus. J'ai décidé
que l'art était le meilleur moyen de rendre le christianisme cool. J'ai essayé d'écrire un roman à propos d'un chrétien cool pour que tout le monde ait envie d'être comme lui. J'avais pendant longtemps dans ma vie défendu le christianisme parce que je pensais que reconnaître une seule erreur revenait à discréditer l'ensemble du système. Mais ce n'est pas une question de système. La question, ce sont les gens qui suivent Jésus. Et le plus important, c'est de demander pardon de nous être mis en travers de la route du Christ. J'aime beaucoup les livres philosophiques aussi. Et un livre qui m'a grave aidé à comprendre un peu mieux la philosophie et l'histoire de la philosophie et tout ça, alors c'est Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. En fait, je trouve que ce livre il est hyper accessible parce qu'il va prendre l'histoire d'une petite fille qui discute avec son père. Son père va lui donner des cours philosophiques à travers des lettres. Et je trouve que ça donne une bonne vue d'ensemble de tous les mouvements philosophiques qu'il y a pu avoir. Une de mes grandes sœurs a essayé de les lire. Elle a pas trop accroché, mais moi, genre, j'ai trop kiffé. Voilà, donc je vais terminer cette liste avec un dernier livre. C'est La confiance créative, tous innovateurs avec le design thinking de Tom Kelly et David Kelly. Et ce livre, il m'a grave inspirée. D'ailleurs, j'en ai fait deux vidéos, donc les deux vidéos créatives. Il y a vraiment plein de choses dedans. Il y a des outils à mettre en place pour devenir plus créatif, et changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Plein d'exemples aussi. Enfin vraiment, il est top. Bref, je sais pas quoi dire de plus. Ah oui, j'avais aussi envie de vous parler de ce livre. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Olivier Roland. Quand tu lis le résumé, dedans c'est... Retrouvez les trois principes incontournables pour réussir dans tous les domaines. Comment augmenter votre QI et votre capacité de concentration? Comment créer l'entreprise de vos rêves pour devenir libre? Des exemples concrets et des cas pratiques appuyés par la science. Quand tu lis ça, ça vend du rêve. Ça, c'est l'exemple en fait d'un livre qui doit être bien en tout cas, mais que j'accroche pas du tout. Je sais pas pourquoi. Et je suis qu'à la page 39. Bon, peut-être que je me remette à lire, mais voilà. Un exemple de livre que j'arrive pas à lire. Voilà, donc ça c'est ma liste de livres à moi et j'avais envie de vous lancer un défi. C'est d'offrir un livre qui vous a parlé, qui vous a marqué et de le partager ou de l'offrir à une personne autour de vous. Vous pouvez aussi partager en commentaire votre liste de livres à vous. Comme ça, par la même occasion, je pourrai aussi agrandir ma liste à moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.